Alors, on y va, go! Hello! J'espère que vous allez bien, mes amours. Alors, tout simplement, eh bien, on va faire une vidéo d'unboxing parce que j'ai acheté beaucoup de choses. J'attends encore d'autres choses. Je dois aller aussi chercher des choses. Voilà, j'ai craqué mon slip, j'ai acheté, acheté, acheté. Je vous montre mon petit pull de Noël. Hein. Allez. Voilà, le unboxing, il est là. J'espère qu'il n'y a pas mon adresse. Non, je l'avais enlevé. Voilà. Et le petit pull, c'est un cerf. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Oui, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Elle est en train de manger. Donc, tout simplement pour vous dire que, eh bien, on va faire un unboxing. Alors, en attendant la vidéo, abonnez-vous. Mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo et quel genre de vidéo vous voulez que je fasse, sachant que j'ai déjà beaucoup d'idées, mais pourquoi pas, c'est bien aussi de vous écouter. Donc, j'ai enlevé l'adresse et tout. Hein. J'ai reçu, pardon. Alors, c'est un truc de fou, c'est parce que je vous ai dit que l'autre fois, j'ai commandé un ordinateur. Et il faut que j'aille le chercher, c'est un gros ordinateur, c'est un bon matos, hein. C'est du bon truc. Et du coup, j'ai commandé la souris. Alors, la souris est arrivée chez moi, l'ordinateur est arrivé en boutique. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc, je l'ai commandé à la Fnac, elle valait 69 euros. Je l'ai eu avec le Black Friday, je l'ai eu à 19,90 euros. Voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Hein. Alors, elle va avec l'ordinateur que j'ai acheté. Hein, parce que ça, c'est Vector et moi, c'est Victus. Alors, c'est un HP. Mais Victus, spécial gaming en fait, pour faire des super montages, pour faire des gros montages, franchement, ça va être super. Alors, comme dirait ma sœurette d'amour, Pinkette, ne fais pas Terminator, prends le temps d'ouvrir. Et moi, mon problème, je dis bien mon problème, c'est l'un de mes gros problèmes, c'est que j'en ai rien à faire du packaging et je détruis. Voilà. Voilà l'engin. Alors, il y a plein de trucs, il hein, faudra que je regarde. Mais ça, c'est du spécial gaming. Bon, ben voilà, j'ai été chercher une LED. Alors maintenant, nous allons faire le unboxing qui vient du Japon. Comment vous dire? Alors, je vais vous montrer tout ça. Hein, c'est Candysan. Alors, il faut savoir que quand vous avez commandé à Candysan, vous pouvez avoir un petit frais de port selon le poids. Moi, j'ai payé 3 euros de frais de port. Et là, j'en ai eu pour 27,90 €. Voilà, alors on y va. Tout d'abord, dans Candysan, vous avez ceci. Alors, je vais regarder avec vous hein, parce que je découvre. Hein. Alors, c'est comment lire la date d'expiration. Voilà, il vous explique comment lire la date d'expiration. Puisque chez Japonais, il n'y a rien de français. Hein. Alors, ça va être compliqué. Hein. On va deviner. Hein. 21 avril 2012. Vous voyez, regardez. Voilà. Et là, ils expliquent la date de. Voilà. Donc, ensuite, on a. Art japonais traditionnel, c'est quoi? Ils vous expliquent ce que c'est l'art traditionnel japonais. Voilà. Pas mal, hein? Pas mal. Il fait nuit chez moi. C'est le matin. Il est 11h30. Il fait nuit. Donc, je suis obligée de mettre une LED. Et là, vous avez. Alors, ça, c'est trop mignon. Bonne dégustation, Candysan. YouTube, Candysan. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà. Regardez comme c'est mignon. La petite affiche. C'est pas fini, hein. Là, apparemment, vous avez une application pour petits et grands, Niku. Voilà, j'ai regardé. Une application pour l'Apple Store et Google Play, ceux qui ont des iPhones et ceux qui ont des Android. Franchement, ben, on verra bien ce que c'est, hein. L'appli, elle est là. Et là, nous avons un petit cadeau. Avant tout le monde, alors voilà, on a un petit bonbon, c'est un petit bonbon chinois. Mais ça, je le ferai avec mon fils. Hein. C'est pour ça que je vous montre, mais je le ferai avec mon fils. Donc, comme je vais faire ça avec mon fils, là, vous avez, c'est super bien emballé. Et là, vous avez, alors, si vous ne connaissez pas, c'est des dingueries de chez dingueries, ça. C'est des Umayo, je crois que ça s'appelle. Franchement, alors, vous avez à tous les goûts. Hein. Là, vous avez, je crois qu'il y en a à la crevette, il y en a au teriyaki. Et il y en a. Vous voyez, puis c'est mignon, regardez comme c'est bien fait. Ça coûte 24 centimes. Vous vous rendez compte? 24 centimes. C'est trop mignon, hein? Alors moi j'adore.
Voilà, j'en ai acheté plein parce que Yannick, mon fils et moi, on adore. Voilà, j'en ai acheté plein. On pourrait faire un calendrier de l'Avent avec les goûts. Parce qu'il y a des goûts différents. Alors, vous avez à la crevette, vous avez... sur Candysan, ça coûte 24 centimes. Vous avez plein de goûts, quoi. Enfin, il y en a qui sont plus chers, hein. Ouais. En fait, bah, allez, je vais vous en ouvrir un. J'espère que je ne vais pas me tromper. Parce que... Allez, j'en ouvre un. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Hein. Franchement, vous n'imaginez pas ce que c'est. Hein. C'est du salé, hein. Moi, je dirais que comme j'en ai deux, pris deux comme ça... c'est les mêmes, on est d'accord, c'est les mêmes. Hein. Après, il y en a plein de différents. Hein. Voyez, regardez. Là, j'en ai pas pris trois. Là, je vais, bon, à mon avis, il y en a que je vais avoir. Voilà, c'est chaque... Alors là, on va prendre celui-là. Alors, on va essayer de voir. Je vais essayer de deviner. Hein. 22 avril. Ah oui, alors, il a dit 22 avril. Alors, attendez. 2001, ah ouais, je crois que je me rappelle, c'est fait 1er avril 2022, voilà, ce qu'ils ont expliqué. Alors, moi je dirais, je sais pas quel goût, mais là on voit une sorte de truc là, coca, ce serait goût hamburger, alors j'ai pas envie de prendre le goût hamburger. Là vous avez, pareil, le goût hamburger. Là vous avez, alors là vous avez quoi? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? En fait, on essaye de deviner. C'est du poisson. Vous voyez, il y a un poisson là. Ah, ben celui-là, il est cassé. Alors, celui-là, il y a un ballon, je dirais. Waouh! À mon avis, celui-là, il pique. Par contre, ils m'en ont mis beaucoup des comme ça. Je ne comprends pas. Bon, ben, je vais goûter ceux-là. Attendez. Après, vous allez voir, il y a d'autres choses. Hein. J'ai commandé un calendrier de l'Avent pour mon fils. Alors là, celui-là, en fait, il faut deviner. Oh, je dirais du bœuf, non? Regardez. Du rôti en bas, là. Celui-là. Celui-là, c'est quoi? Donc, je vous dis, hein, c'est compliqué. Hein. Oh là là, là, il y a des plantes. Ça doit être des plantes, j'en sais rien. Et celui-là, c'est du poisson, non? Bon, voilà. Bon, bah écoutez, on va goûter celui-là. D'accord? J'ai dû en commander 4 des comme ça. Alors, vous allez voir comment c'est. C'est incroyable, hein? Ah, déjà, l'odeur. Je ne sais même pas à quoi c'est. Il faudrait que je regarde ma notice parce que je l'ai. Ce que j'ai commandé. Or, il y a un trou. Voilà. Et c'est salé, hein? Dinguerie, tu es dinguerie, dinguerie. Au début, c'est un peu acide. Je dirais... Pas la crevette. Attendez, parce que j'en ai là. Les mêmes. Voilà, c'est toujours comme ça. Quand on cherche les mêmes, on les trouve plus. Il y en avait 3 tout à l'heure comme ça. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est un hamburger. C'est quoi? Ah oui. Ça pétille. Après, c'est une dinguerie. Ah! Ben voilà, ça ne m'étonne pas. C'est marqué dessus. C'est comme le pain salut. C'est pour ça que j'en ai pris 4 parce que j'adore. C'est au teriyaki. Qu'est-ce que c'est bon. Vous savez, quand vous mangez les brochettes, là, au japonais, eh bien, elles sont mises, quand vous les mangez en brochette, elles sont mises dans une sauce, là. Mais c'est ça. Du coup, c'est marqué, mais vous voyez, là, c'est marqué en japonais. Ah, il y a la surprise du chef. Teriyaki, c'est marqué en japonais. Les autres, c'est marqué en japonais. Ah, celui-là. Bam. Voilà, alors après. J'ai acheté un normal, une boisson. Que je retrouve. Voilà. C'est bon, hein?
Après, j'ai carrément pris un pack. J'ai payé 20 euros, 24 euros, je crois, je sais plus. Regardez. Christmas. Merry Christmas. Alors, ça, c'est le calendrier de l'Avent. Mais, en fait, il n'y a pas de. Alors là, vous avez. Oh, alors là, par contre, ça va être des trucs de dingue. Regardez, ça, c'est des bonbons. Hein. Gâteaux. Il y en a beaucoup. Hein. Là, il y a je ne sais pas combien dedans. On dirait des dragibus. En fait, il va falloir goûter avec mon fils. Et comme c'est une surprise, on dirait du potiron. Ça doit être au potiron. Il y a le potiron. Alors, ils nous aident comme ça parce qu'ils mettent le dessin. Ça doit être des bonbons à la fraise. Vous voyez? Puis en plus, le packaging, il est trop mignon. Regardez. Ça, c'est un petit gâteau. Je dirais Ça, on va goûter avec mon fils. On va le partager en deux. Ouais, c'est un petit gâteau. Il y a le gâteau derrière. Regardez comment c'est super mignon, super bien fait. Ça, on dirait une gaufrette au chocolat. Mais c'est pas forcé que ce soit du chocolat. C'est ça le truc avec eux, hein. Ils font des goûts bizarres. Hein. Oh, bah alors là, on a, je sais pas ce que c'est. Une tenaille. On dirait du chocolat, mais je vous assure que ça ne doit pas être du chocolat. Parce que je crois pas qu'ils connaissent trop le chocolat. Ça, c'est, je dirais, un truc à la vanille. Vous voyez? Vous avez vu tout ce qu'il y a dedans? Et ça, je donne à mon fils. Ça, c'est des petits bonbons, je sais pas. On dirait au café, mais bon. Alors, des fois, il y a des dessins, des fois, non. Des fois, vous avez la surprise du chef. Vous avez vu toutes les sortes qu'il y a? Regardez. Ça, c'est quoi? Zoloft, je sais pas quoi. Je sais pas, Zoloft, hein. Je sais pas pourquoi je dis Zoloft. Ça me dit quelque chose, Zoloft, mais je sais plus ce que c'est. Ça. En bref, attendez, je vais vous montrer. Là, vous avez. Ça doit être un jouet, ça. Attendez, on va l'ouvrir. Allez, je l'ouvre celui-là. Oh, mon fils, il dira rien, il s'en fout. Ah hein. Oh, ouais. Oh non, c'est un œuf Kinder. Regardez. C'est un œuf Kinder. Ah, il y a quoi dedans? Il y a un personnage japonais, bien sûr, il y a un manga. Hein. Regardez. Voilà. Et franchement, ce truc-là. Là, encore des bonbons. Enfin, bref, je me suis, ils ne sont pas moqués de nous. Hein. 19,90, ils ne sont pas moqués de nous. Hein. Franchement, mon fils, il va être super content. Peut-être on va faire une vidéo de dégustation. Ça, je ne le sens pas. C'est marrant. Hein. Ça, je ne le sens pas. Parce que des fois, il y a des goûts. Waouh, les Japonais, ils sont forts. Hein. Regardez tout ce qu'il y a. Ah, ceux-là, on les connaît. Ça doit être cassis, ça. Ah non, c'est encore fraise. Bah, j'ai un doute parce que c'est fraise ou framboise? Parce que si ça, c'est fraise, et ça, c'est fraise, c'est pas la même couleur. Oh là, il doit y avoir un mélange de fraise avec je sais pas quoi. Là, il y en a un autre. C'est quoi? Alors là. Et là, on a. Non mais franchement, je suis pas déçue. Hein. Regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Et voilà le pochon. On peut le garder après le pochon. Hop, 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 hop. C'est plus qu'un calendrier de l'Avent. Hein. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de bonbons comme ça. L'autre, mon fils, il va être très content. Et là, c'est quoi? Ah, mais ça, par contre, Ça, je pense que c'est sucré, c'est salé. Quête. Ça a l'air trop bon. Voilà. Eh ben, écoutez. Le petit packaging, voilà, c'est pour mon fils. C'est trop mignon. C'est arrivé assez rapidement, mais ça a été bloqué en douane. Mais c'est arrivé assez rapidement. Et malgré ça, vous voyez, ils m'ont quand même envoyé un petit bonbon en cadeau. Et tous mes. Oh, putain. J'adore. Mais j'adore, j'en mangerai. Et vous allez voir, avec mon fils, on va en manger plein. Ça, c'est des oumayos. C'est super bien emballé. Hein. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais mettre. Voilà. Et après, je vous montrerai d'autres unboxings. Mais pour l'instant, ils ne sont pas arrivés. Je ferai une vidéo de mon ordinateur parce que, apparemment, il est parti très vite. Vu le prix, au lieu de 1000 euros, je l'ai eu à 700, comme je vous ai déjà dit. Il est parti très, très vite. Donc, il faut que j'aille le chercher, là.
J'avais pas envie de sortir, mais il faut que j'aille le chercher. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous a plu des produits japonais. Moi j'adore, hein. Moi je mangerais tout ça. Mais il y a des goûts, attention, hein. Il y a des goûts, c'est horrible de chez horrible. Hein. Mais le teriyaki, c'est le meilleur pour moi. Mais il y en a, c'est une catastrophe. Voilà, et c'est comme ça, c'est les bonbons pareil. Hein. Vous croyez que c'est des petits bonbons super sympas, mais les Japonais sont un peu bizarres des fois dans leur goût. Hein. Donc, ben, on verra bien, on va goûter. Il y en a plein. On goûtera ça à Noël. Je vais le mettre au pied du sapin. D'ailleurs, oui, non, je ne vais pas le mettre tout de suite au pied du sapin. Bon, vous ben, voyez, le sapin, il est là. Je ne l'ai pas éliminé encore. Hein. Je ne l'ai pas allumé. Bon, ben, sur ce, voilà. C'était le vlog du jour, le vlogmas du jour. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Et je sais qu'il va y avoir plein de décors de Noël. Là. Voilà. Et regardez ce beau décor de Noël. C'est pas magique? Ben voilà. Ben, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, je te dis, je te quiero, et je vous dis abonnez-vous et likez. D'accord? Likez et commentez surtout. Commentez parce que je vois en ce moment, il n'y a pas beaucoup de commentaires et moi, j'adore les commentaires et j'adore répondre. Je suis interactive avec vous. J'adore ça.